Bonjour tout le monde. Alors voilà, désolé pour ces 4 minutes presque, hein. J'ai même pas fait les 4 minutes exactement, mais bon, bah, à peu près. Donc, bonjour tout le monde pour l'émission Tranche Taille Coupe sur la chaîne Indie World. Donc, on a fini Shank et on va passer sur Tower of Guns. Donc, là, on va vite fait passer voir les achievements, mais on a eu quelques petits concept art. Regardez ce qu'on a débloqué. Je vais le regarder. Vite fait. J'en ai que 3. Ce fut rapide. Donc voilà, bon pour Shank, ce sera assez fini. On a fini la campagne. Donc voilà, on va pas passer à Tower of Guns. On va tout de suite passer sans transition. À cela. Je pose ma manette. Yep. Donc voilà, Tower of Guns. Alors, je vais vite fait lire, c'est ce qui s'est dit entre temps. Donc du coup, Tower of Guns, donc je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, donc c'est un FPS en roguelike, donc qui est toujours en développement, qui est en bêta. Et qui a 66% de son développement. Donc voilà. Donc je prépare vite fait. Hop. Toc. Désolé. Donc on lance Tower of Guns. Attention. Donc nous va plutôt bien. Attendez, je vois pas l'IRC. Voilà, donc vous voyez bien. Je reviens deux petites secondes parce que là j'ai un petit truc qui va chauffer. Voilà. Hop. Je voudrais pas que je fasse cramer ma maison. Ce serait mieux. Après, bon. On remarque, hein, ça mettrait de l'ambiance sur le stream, hein, la maison qui crame en arrière-plan. Why not? Voilà, donc alors, vous allez découvrir en même temps que moi le jeu, parce que je n'y ai pas joué du tout, j'ai attendu que le stream commence de faire le stream pour y jouer. J'ai mis fin à m'aider. Voilà. Donc alors c'est un FPS, et ça me fait très plaisir de prendre un FPS, parce que j'en ai toujours pas fait. Donc alors, on commence tout de suite, donc on peut choisir plusieurs armes, donc là, je ne sais pas comment ça marche. Des armes qui se débloquent en faisant des achievements, on pourrait dire. Donc là, il faut tuer 10 tanks. Donc là, pour l'instant, je n'ai que 2 armes de disponibles. Il faut que je choisisse entre les deux. On va commencer par le bitouet de base. On va commencer à voir comment ça se passe, ce jeu. À moins que vous voulez que je prenne l'autre. Je vous dis, là, il y a le Peace and Carrot Pistol. Donc un pied sur la carotte. Et là, on a un portable pizza thrower. Donc un lanceur de pizza portable. Mais apparemment c'est pas des piles. Il est chargé de... Comment ça s'appelle ça? Des scies sauteuses. Pas de pizza. Donc alors, vous choisissez ces deux armes. Donc comme vous voulez, soit le lance-carotte, soit le lance-pizza. Qu'est-ce que vous en pensez? On prend le lance-pizza. Et après là, j'ai deux perks à choisir. Donc là, les autres, ils sont pas disponibles. Il faudrait par exemple là, il faut faire tirer 989 coups. Voilà, ça en fonction de 11 ans des objectifs, on peut débloquer les armes et les perks. Donc là, j'ai choisi entre deux perks. Donc Bluegrass, je peux faire un triple jump. Et le deuxième, c'est Lift Ticket. Je ne prends pas de dégâts de chute. Qu'est-ce que je prends? Pas de dégâts de chute ou triple saut, dégâts de chute. Allez, c'était parti, go, on perd pas de temps, on se lance tout de suite dans le jeu. Et pour se faire chier mon petit Valo, je n'aurais pas pris ces deux-là, j'aurais pris les deux autres. Dans le lance pizza, franchement, ça me donne envie. Là, je crois que c'est la classe. On peut pas avoir les pizzas là? Oh la vache. Ah, il est coincé. Welcome to the Tower of Gun Alpha Soldier. On voit, oui, c'est bien des 6 sauteuses, c'est pas une pizza, dommage. No, now battle your way to the top of this.
Near Tower Gun Soldier. Bon, comment ça sert? Je baisse ma sensibilité, hop. Vous voyez, c'est quand même relativement fast, hein. C'est vraiment la quake. Hop. On peut faire du... Comment ça s'appelle déjà? Le fait de sauter, je sais même plus, du... Bunny Hop, je crois. Je sais plus. Donc là, c'est... la première zone, donc c'est assez simple. Comme je dis, voilà, c'est un... Ils attaquent même pas en fait, ils sont gentils. Les gentils. Donc dans Tower Gun, c'est un roguelike, donc vous voyez, je vais dans une zone, je nettoie la zone et je vais à la prochaine. Donc là, faut que je lance. Tiens, une fois sur la porte et ça saute. Speed jump, ouais. Bunny jump, je sais plus ce que c'est. Ah voilà. Ah déjà, tout de suite, ça se corse un peu plus. Oula. Ouais, ça demande d'être très réactif. Là, il y a un truc qui balance des grosses. Voilà, c'est pas compliqué pour l'instant, hein, c'est normal. Donc alors, là, les trucs bleus, c'est pour améliorer mon arme. Et donc quand j'en ai suffisamment, mon arme passe à un niveau supérieur, et elle fait plus de dégâts, elle a une plus grosse vitesse d'attaque et tout. Le truc rouge, c'est de la vie. Et des fois on ramasse des bonus spéciaux. Voilà, ouais, si j'avais le triple jump, tu vois, j'aurais pu attraper ces pièces. Là, je ne peux pas. Sauf que... Là, vous voyez ça, ce truc. Ouh, ça me permet de faire un super saut. Donc si je gère, je peux peut-être arriver... En haut. Il y aura moyen, mais... Ah, c'est dans la... Là où on regarde, en fait. J'ai l'impression. Donc si je regarde en face, je vais tout droit. Là, j'ai tout droit. Et là, si je regarde là... D'accord, donc en fait, c'est dans la direction où on regarde. C'est bon à savoir. Donc voilà, ça, c'est un super... Un bloc qui nous permet de faire des super sauts. Et c'est dans la direction dans laquelle on regarde. J'ai cru que c'était déjà la fin, je me suis dit mais... Lol. Déjà. Oh, ah, j'avais pas vu tout ça. C'est pas cool ça. On va essayer de récupérer parce que... En fait tous ces trucs que je ramasse, la vie et les trucs bleus... Ça ne reste apparaît que... Ça ne reste pas... Ça n'apparaît qu'un temps. Je vais y arriver. Ouais, là pour l'instant c'est pas très fast. Oula bah, il y en a un qui s'excite là. Oula vache, oula vache, oula vache, oula vache, oula vache. Il y en a plein là-bas. Bon, j'ai rushé. Parce que là, il y a plein de bonus. Voilà, on est niveau 2 et là, vous voyez tout de suite. Regardez, j'ai one shot maintenant. Hop. Presque. Là, je pense qu'ils... Je pense que quand ils sont comme ça, qu'ils clignotent, c'est qu'ils sont plus... solides. Et tout de suite, je fais beaucoup plus de dégâts. C'est... Ça crève les yeux. Voilà, je... prends bien mon temps pour tout récupérer. Non, je peux pas triple jump, j'ai pris ton... Je peux pas triple jump vu que j'ai pris le truc de... pas de dégâts de chute. Mais bon, là, pour le coup, ça... Alors, qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que j'ai cette pièce? Oh, c'est con. Il manque cette pièce. Moi, je peux pas. Wow. What the... Pourquoi j'ai pris des dégâts? J'ai pas tout compris, là. Je peux pas trop bouger, là. C'est quoi ce piège? Il y a plein de trucs, je peux même pas les attraper. Je suis très déçu. Oh mince, il y en a qui arrive d'en haut aussi. Voilà, je suis un peu perdu, je vais vous avouer. Hein. Attendez, je découvre comme vous le jeu. Je galère un petit peu. On peut bouger en fait dedans. Mais pareil, j'ai pas de dégâts de chute, alors on peut se permettre de tomber de rond. On verra si c'est efficace, hein. C'est relativement efficace.
Il y a des pièces. Mais oui, et si je prends bien toutes tes pièces, là j'en ai déjà 58, là je veux toutes. Je vais prendre l'arme le truc en dessous là. On va essayer. J'espère quand même que ça va se bouger un peu plus vite. Là personnellement, je trouve pas ça très fast. Voilà. C'est quoi ça? Ça sert à rien. Oula! Ah tiens, y'a. C'est pour attraper les. Ouais, je suis déjà niveau 3 avec mon arme. Il fait assez bons dégâts. J'ai le choix entre deux. Moi je préfère le point, ça a l'air bien bourrin. Voilà, hop. Je sais pas à quoi ça sert. Dommage. Voilà! Eh. C'est ça le plus important, c'est les dégâts. Enfin, des gros dégâts. Ah oui, regardez, elle est enflammée, on dirait. En tout cas, elle fait des couleurs jolies. Mon arme est niveau 3 et j'ai un bonus de dégâts. Donc... Et là, vu la tête du. De la porte, ça va être le boss. Donc, voilà le boss. Donc là, tenez que. Bah oui, bah là, vous voyez qu'il prend très très cher. Je vois même pas ce qu'il lance. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ah. Oula, ah, oula, 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 oula. Du calme. Étant donné que je suis déjà niveau 3 avec mon arme, bah, il prend extrêmement cher. Ça va vite. Donc là, j'ai un item. Je ne sais pas à quoi ça sert. Faut que j'appuie sur E pour l'utiliser. On va voir ce que ça fait. Hein. Écoutez. Hein. Waouh! Ah oui, d'accord, c'est rigolo. Fait des super sauts. T'as vu ça? Voilà. Habitue. Il a écrit trop vite. J'ai même pas le temps de lire. Des secrets. J'ai trouvé qu'un tiers des secrets. Eh bien. Donc là, on continue, on garde le même stuff. Et on va dans un niveau qui est plus dur. This is here is the Garrock Gun. Et j'ai pas eu le temps de tout lire parce que je suis beaucoup trop lent. Oula. Oula, 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 oh, on se calme. Ah, qu'est-ce qu'il me balance ça en fait? Ah, d'accord, y a un lance, je sais pas quoi ici. On aura le même là. Non, pas, c'est un autre. Je l'avais pas vu. J'avais rien vu de tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a des petits secrets ici? Qu'est-ce qu'il y a des secrets? Des secrets à trouver donc. Il y a 3 secrets donc j'imagine que c'est. Si c'est toujours en par salle de 3. On va logiquement en avoir un par. D'accord, j'ai trouvé un. You found a secret. Donc il y en a un par salle de secret, donc faut bien chercher partout, je pense. Porte s'est fermée. Oula, mais lui il rigole pas, lui. Oula, 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 oula. Je prends cher. Ah, mon arme a augmenté de niveau. Voilà, j'y vais. Un bourrin, mais vu comme ils n'ont pas l'air actifs, les... Moi je suis tombé. Ah, j'ai du monde là. Oulala, 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 oulala. Oh, ouais, on se calme là, les gars. Oh la vache! Je pensais que ça serait moins solide que ça. J'ai encore tombé. Oula, bon bah. Oh non, 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 mince! Je crois que je vais mourir là. Hein. Je ne voudrais pas si je meurs.
Bon, je suis mort. J'ai du sud du jeu. Mais moi je voyais plus rapide là. Moi si je suis assez déçu là. Regarde-leur. On va essayer un autre gun pour voir. Je vais prendre le triple jump, il y a pour tout changer. J'espère que le niveau change. Normalement il me semble que oui parce que... Donc là j'ai tiré... Oui je vais avoir un nouveau perk à ce moment là. Donc ouais, les perks se débloquent là, hein, ça avance. Alors, par contre j'espère que... Oui normalement c'est aléatoire les niveaux, donc ça va être bon. On espère que je fasse mieux. Par contre je pense que si je stream tout le temps de ça, ça va être très rébarbatif. Bref, faut essayer de durer longtemps. Pourquoi les salles ont l'air différentes à chaque fois? Là j'avais pas ça avant, je crois. Bon là ils font rien. Ah, peut-être qu'il faut pas les tuer, remarque, hein. Ils sont gentils, ils ne veulent rien. Oui, il faut des cœurs. En fait, je les tue, je suis méchant, moi. Hein. J'ai des amis. Donc voilà pour Nayad qui arrive il y a pas longtemps, c'est Tower of Gun. Donc un roguelike. En vue FPS. Il est où le gros canon là? Allez. Je vois pas. Et là. Ah, on a deux même. Aïe. Mais si, si, m'a explosé dessus, j'ai pas vu. J'ai des trucs de... Partout. C'est vrai que moi aussi, je m'attendais à un truc un peu plus fast. Après, il y a des... C'est parce que là, je suis qu'à 12 de... Il se semble qu'on doit pouvoir récupérer des... Des objets qui nous permettent d'aller plus vite. Hop, hop. De toute façon, n'hésitez pas à me dire si je ne pouvais pas, je ne restreamerais pas de ça. C'est vrai que pour l'instant, je suis un peu sur ma fin, mais bon, le jeu débute. Hein. Je pense qu'il faut peut-être. Avancer un peu plus dans le jeu avant de se... Puis de commencer à gagner quelques niveaux, de... d'avoir quelques perks supplémentaires. Pour pas se forger un avis. Là, c'est que le début. On va essayer, il y a vraiment un secret ici. On va essayer d'y arriver. Avec le triple jump, je peux faire des grandes distances en l'air. Alors, si je me gère bien, voilà. Je trouve un secret. Donc avec la puissance du triple jump, j'ai réussi à attraper ça. Voilà pourquoi je voulais absolument le triple jump. De toute façon, hein, on propose un fast FPS, hein, vous prenez pas les dégâts de chute. Hein. Oula. Oula. Ah, il est pas mort. Ah, ça va être en dessous alors. Il y a du bruit en dessous, au moins je suis pas intelligent, moi je vais voir le bruit. Hein. Oula. Oula. Aïe. C'est peut-être un gros bonus de vie, non? C'est juste un. Pourquoi il y a des flèches là? Ça m'intrigue ces flèches. Hein. Pas vous, moi ça m'intrigue. Ah! Oh! Eh bien vu ça ces flèches, vous avez vu ça? Hop. Un petit coin secret. Et mon arme est passé direct niveau 2 et presque 3. Et avec le triple jump ça rend le jeu comme plus fast. Donc là pour l'instant je suis à 2 secrets sur 3 sur 2 salles, c'est cool. Les musiques sont rigolotes. Pam, 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 pam. Level up niveau 3. Oula. Aïe. Qu'est-ce qui me tire dessus? J'ai récupéré
C'est quoi ça? Max Health. D'accord, j'ai trouvé un objet qui m'augmente ma vie maximale. Ma vie totale. Donc ça, c'est la salle du boss. La salle du boss, plutôt. Par contre, c'est toujours... Non, c'est même pas le même boss, hein. Je crois rien. Oula. Vache, tout ce qui balance. Viser un endroit spécifique, je sais pas. En tout cas, il prend des dégâts là. Je sais pas, je continue de tirer, je réfléchis pas trop. Oula. Ça se calme un peu par rapport au premier bot. Ouais, moi, je rentre dedans comme un. Arrêter de le taper, je crois que c'est pas l'impression que ce soit très bénéfique. Mais je vais relativement vite. Par contre, je prends pas mal de dégâts. Hein. Ah vache. La vache. Ah d'accord, ils prennent pas de dégâts l'impression quand ils tournent. De vitesse de tir. J'essaie de monter en haut, je sais pas si ça peut y avoir. C'est quoi, j'ai plus beaucoup de vie là. Bon, assez cher. Peut-être qu'il faut que je sois derrière un mur pour pas prendre de dégâts. Peut-être plus intelligent de ma part. Bon, c'est bon. Donc ça c'est... Difficulté, une crise... Non mais non, 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 eh oh. J'ai déjà pris assez cher là. Hein. Ils veulent augmenter la difficulté, non, c'est bon. Hein. Donc, j'ai une boîte mystère. Je ne sais pas quoi ça cela sert. Il y a une porte. Ah, c'est la porte d'où je suis venu. Alors, à quoi sert cette pièce? Dommage moins. Non mais génial, c'est cet objet est génial, hein. Franchement. Punaise. D'accord, cette mystery box, franchement cet item, hein, je vous le recommande pas. Hein. Comme dessus, c'est vraiment une blague. Hein. Une mauvaise blague. Donc, alors il y en a peut-être un secret là, non? Non. Je pense pas avoir tous les secrets pourtant. On va voir à la fin du niveau. Hein. Aïe. Ah effectivement j'ai pas le truc de l'anti des 4 chutes. Ah c'est de pas mourir direct. J'ai trouvé que 40% des secrets. D'accord. Bon. Je pensais en avoir trouvé plus. Ils auraient très bien caché. Ah, cette fois-ci on va essayer d'aller un peu plus loin. Et on reprend pas toute sa vie. Mais c'est un jeu de fou. Oh la vache, oh la vache. Mais direct hein. Direct. Oh la vache. Ah, vite, il faut que ça y a de la vie. De la vie, je cracherai pas dessus. Voilà, moi je trouve que le jeu va quand même plus vite. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans cette salle? Non, directement. Au moins de se coincer les pieds dans l'engrenage, qui me semble pas une excellente idée. Bon, bah, l'IA est pas très virulente. Hein. La vache, tous les ennemis. Ils vont pas de main morte avec ça, hein, les ennemis. Hein. La vache, plus on avance, plus il y a d'ennemis là. C'est
comme un gros bazar. Aïe, la vache! Énorme canon ici. Alors, moi, là, je rentre dans le tas. Hein. Je ne mets pas de. Dans la dentelle. Level 4 pour mon arme. Je pourrais pas mal m'aider à m'en sortir. Ah, j'ai 3 tirs à la fois, on dirait une mitraille limite. Là, j'arrive à en reprendre pas mal de vie. C'est vrai que bien plus de vie que je n'en avais avant. Il y a quelque chose qui tire de là-haut. Voilà, voilà. Si je montais, je pense que ce serait plus simple pour les tuer. Aïe. Hop. Oula, oui. Aïe. Il me rentre dedans. Espérant qu'il tire pas un truc avant. Vache. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Là, je découvre le jeu comme vous. Hein. Voilà. Oh la vache, j'avais pas vu lui. Weapon à level 4. Genre il était pas avant. La vie, oh merci. Et par là il y avait des choses, j'ai l'impression. Ah il était. Je l'ai pas tué lui. Alors, comment. Par où est-ce que je peux passer? Alors là ça me semble être un bon passage. Bah lui il balance des pizzas. Il balance pizza lui. Pas facile de viser là sur ce truc hein. Voilà. On récupère un peu de vie. On en a bien besoin. Pas un secret ça. J'arrive pas à anticiper où il se déplace. Il y a un gros bonus de d'armes là et un peu de vie niveau 5 direct. L'arme est bien plus efficace. J'ai géré avec mon triple jump pour pas prendre trop de dégâts juste au dernier moment. Alors je sais pas, au fur et à mesure que ça avance, ça... Oula, là, il y a du monde à l'écran. À défaut d'être extrêmement rapide comme jeu, il y a beaucoup de choses à l'écran. Hein. Non, 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 mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Aïe, aïe, qu'est-ce qui... Oh la vache, il y a des trucs aussi ici. Là, je me fais canarder de partout. Je les prends par derrière, ils ne m'ont pas vu. Furtivité. Qu'est-ce qui est tombé là-haut? Ils sont pas très intelligents, ces robots. Hein. Mais vraiment pas. Hein. Il y avait un là-bas, il me semble. Eh, de la vie. Je vais retourner en haut. Mince, voilà. C'est dommage, j'ai pas été tout de suite là où il y avait le sorte de mini boss.
Donc si j'aurai des bonus, je pense que je les aurai pas. Voilà. On va aller chercher. Mon arme est bientôt niveau 5. On a pas mal de gold. Il y a des choses là-bas. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait une petite boîte. Mince. Oh merde, il y avait des trucs ici aussi. Je crois que c'est un secret ça en plus. Et ça, ça a combien de gold? Hop. Donc speed plus plus, voilà, là on va déjà aller plus vite. Donc je fais tellement vite que si je gère, voilà. Et j'ai eu le secret. Voilà, on pourra continuer à la salle suivante. Celle du boss, non? Je ne sais pas. On prend pas celle du boss, c'est en 5 maintenant. Là ça fait extrêmement mal j'ai l'impression. Oula, mais en plus ça me suit en fait, c'est téléguidé. Il y a un truc mystère. Allez, moi je suis joueur, j'aime bien les mystères. Item charge rate. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond et je ne vois pas qui c'est qu'on tient là. C'est peut-être aveugle, c'est peut-être moi, mais je ne vois pas. Ah. Oui, on va d'abord tuer lui. Puis après, ça s'occuper qui fait extrêmement mal. Lui, je croyais l'avoir tué. Le jeu est encore en développement donc le fond musical est assez la vie de la vie, je veux la veux la vie, je la veux la vie. Oula oh, non mais aïe. Oh la flemme de tout chercher hein. Oula coucou. Super. On peut être en 5 salles je pense. Maintenant. Ça sent là. La... Non bah ça va encore. Quoique. Oh je suis nul de m'être enfermé là. On va essayer de s'en sortir. Parce que c'est pas bien de s'enfermer dans des zones, c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Une grande zone là. J'essaie de les tuer tout en récupérant tout ce qui tombe à terre. Parce que comme ça ne reste à terre qu'un temps. Oula, oula, vous avez vu. Ça va, je pense que j'ai quand même gagné plus de vie que j'en ai perdu. Ça, c'est celle du boss, on va voir quand même ce qu'il y a là-bas. D'accord, là j'ai utilisé sans faire exprès ma boîte mystère et rien ne s'est passé. Bon, c'est mieux qu'ils me mettent encore des dégâts en moi. Hein. Remarquez. Il y a un truc tout par là, non. Donc, level 5, c'est le level max pour une arme. Je pense que. Oula. Eux aussi ils ont des lance-carottes. Mon lance-carotte est niveau 5. Il fait très mal mon lance-carotte. Enfin, je sais pas d'où c'est que ça vient cette idée d'appeler
armes de canon de légumes. Peut-être que c'est un végétarien le développeur, je sais pas. J'ai pas encore compris l'intérêt de ces boîtes, hein. Peut-être à part nous brain, nous inviter à regarder ailleurs. Ah d'accord, on se met près d'elle et elle explose. C'est des bombes, c'est des mines. Est-ce qu'on m'entend quand je parle? Oui, c'est bon. Je me demande si on m'entend. Je sais pas, je suis. Petit doute. Espace d'un instant. Donc la façon, les bonus d'armes. Ouf. Ah, j'ai pas le truc anti-dégâts de chute. Voilà, on a trouvé peut-être sûrement un secret. D'accord. C'est pas pour m'arranger ça. Alors, on va aller faire ce boss. Essayons de pas tomber et s'écraser comme une merde. J'espère que j'ai pas fait pour le boss parce que là en plus on est plutôt bien. Oh non, encore ce boss. J'ai déjà eu tout à l'heure. Oh la vache. Aïe aïe aïe, je prends beaucoup plus cher que je lui mets cher. Je sais pas si je peux trouver de la vie. C'est vrai que les phases de boss sont là, relativement ennuyantes. Bah oui. Je tire même plus pour dire. Espérons qu'ils me rendent de la vie, non même pas. Pas cool. Aïe aïe aïe. J'ai l'impression que les projectiles sont arrêtés, vous voyez là, dans cette zone. Ça va pas pour autant m'aider à le faire. Oh la vache, tout ce qui balance. Il y a des pizzas de partout, aïe. Je crois que je vais mourir. Je ne vous cache pas. Aïe. Attendez, il y a un peu de vie ici. J'aurais pas dû. J'ai du nouveau perk. Bon. Allez, 36, je vais faire la pause tout de suite. On va juste vite fait voir ce que j'ai débloqué. Là, la liste des objets que j'ai eu. Le nombre de morts, le nombre de victoires. Bon, pour l'instant, c'est 0 victoire, 2 morts. Je suis encore lancé dans un jeu assez dur. Alors là, ça va être marrant parce que je vais plus rapide, mais je prends les dégâts et là, j'ai une nouvelle arme. D'accord. Voilà. On va faire la pause. Donc on va faire la pause de une petite pause de 2 minutes. J'espère qu'en tout cas le jeu vous plaît. Apparemment c'est pas le cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire, je changerai de jeu, c'est pas un souci. Mais ouais, en tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce jeu, si ça vous intéresse ou pas. Et j'aviserai si à la fin du stream vous me dites que franchement ça vous plaît pas, bah je changerai. Apparemment ça vous intéresse pas plus que ça. Et c'est vrai que je m'attendais à un truc un peu plus fast quand même, et là c'est assez lent et pesant.
Enfin bref, on passe une fait une petite pub de 2 minutes et on revient tout de suite pour continuer un petit peu sur le jeu, voir si c'est vraiment intéressant ou pas. Voilà, tout de suite.